Test 1, 2, 1, 2. Bon, j'espère que ça fonctionne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends la caméra, je suis venu vite fait dans ma pièce d'élevage, récupérer un crochet et un sac. J'ai été appelé donc par une dame, comme quoi il y avait un serpent dans son garage ou dans son vaisselier. J'ai pas trop compris exactement. Donc là, je vais y aller. Comme à chaque fois, en fait, je démarre ma vidéo, je filme. Bien souvent, c'est des couleuvres vertes et jaunes de chez nous. Souvent, c'est des juvéniles. Là, pour le coup, elle m'a dit qu'il était orange et noir. Donc bon. Dans le doute, je vais quand même y aller, essayer de voir ce que c'est. À mon avis, il n'y aura rien. Si vous voyez cette vidéo, bon, bah, c'est qu'il y aura eu quelque chose. 95% du temps, c'est de la couleur verte et jaune juvénile. Je les prends, je les remets dehors un peu plus loin dans la nature. Là, on est en ville. Donc, voilà, je vais quand même me déplacer. Et puis, bah, je vais vous emmener. Je verrai avec elle si je peux filmer. Sinon, je filmerai en caméra cachée discrètement. Et puis, je lui demanderai quand même si ça l'embête ou pas. Allez, c'est parti, on y va, je décolle. Bon les amis, on est dans la voiture. Hop, je mets la lumière, on est dans la voiture. J'espère que vous me voyez un petit peu. On verra si j'y coupe ou pas dans la séquence. Là, je vais démarrer, je vais y aller. Donc, je vais me dépêcher parce que bon, ma petite, ça fait déjà 40 minutes. Je vais vite tout bloquer, tout fermer. Mais bon, j'étais en train de bosser. Donc, le temps que je revienne récupérer mes affaires, c'était un peu compliqué. Allez, c'est parti. Bon, bah, je vous reprends dans un moment. Bon les amis, donc je viens d'arriver là, c'est super sombre. Hein. Je vous montre le ciel, hein, c'est super sombre. Donc je suis dans une petite rue. Je vais pas vous dire où je suis. J'ai fait 40 minutes de route pour arriver, donc c'était un peu long. Donc là je viens d'arriver chez Adam, donc je vais toquer à la porte. Bon les amis, là donc je suis arrivé chez la dame. J'ai tapé à la porte, elle veut pas apparaître en vidéo. Elle a très très peur, donc c'est un peu compliqué. Je vais peut-être pas pouvoir filmer en caméra cachée. Donc là, je vais discuter avec elle. Elle va m'expliquer où c'est dans le garage. Là, je suis rentré dans le garage. Elle m'a dit c'est dans le garage, vers un placard, vers des sacs. Le problème, c'est qu'il y a un bordel monstre. Et je veux pas non plus. Voilà, je suis chez elle. Donc l'intervention, je vais essayer de filmer au mieux que je peux, en espérant que je trouve quelque chose, parce qu'il y a des trous de partout, dans les murs, dans les plafonds. Je vais vous montrer. Vous voyez les trous, il y a des trous dans les murs, il y a des trous dans les plafonds. Alors le problème, c'est compliqué. C'est assez compliqué de devoir filmer, en fait, si vous voulez, dans un endroit comme ça. Je suis quasi sûr que je trouverai rien, mais bon, dans tous les cas, il faut que je fasse mon inter. Donc là, il est 18h45. J'ai mis une demi-heure pour venir. Je vais essayer de faire vite. Sûrement, je vais couper parce que je pense pas la trouver en 5 minutes. Je prendrai la caméra quand je l'aurai trouvée et je vous filmerai la réception parce que je vais pas filmer tout le long. Allez, je vous reprends dès que c'est bon. Bon, donc je vous laisse imaginer le bazar. Il faut que je filme et que je cherche. Bon, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Par contre, j'ai tout sorti. Bordel. Regardez, je vois rien du tout. Enfin, je vois rien du tout. Heureusement que j'ai ma lampe. Je vais vous montrer où elle était. Elle était là sur ce petit muret. Voilà, voilà ce que c'était. Donc, Pantherophis guttatus. Donc, j'ai pas ce coloris, donc c'est sympa. Ça va être cool. Je vais le garder pour les formations. Je vais le traiter. Assez mou, vraiment très froid. Vraiment très froid. Alors, c'est marrant, c'est qu'il était carrément enroulé derrière, là. Derrière les pots. Putain, je passais 10 fois à côté, là, en cherchant. Enfin, pas 10 fois, mais j'ai dû passer 2 fois à côté parce que j'ai vidé pas mal de choses. Et voilà, donc au niveau du serpent en lui-même, assez maigre. Donc, je pense que ça doit faire une petite semaine qu'il est dehors, facile. Il ne devait pas être très bien nourri. Il a quelques cicatrices sur le corps, donc je pense que c'est lié aussi au fait que, allez, il soit dans la mer, il a de la mer collée partout sur lui. Donc moi, je vais le récupérer, je vais le mettre en quarantaine, je vais lui faire un traitement parasitaire interne, externe. Et puis si tout va bien, je le nourrirai dans une semaine. Et puis je vous redonnerai des nouvelles. Je vais finir mon intervention tranquille avec la dame. Ça fait 2h30 que je suis là. Donc j'ai cherché un bon petit moment quand même. Il faut dire, il essaie encore de se barrer dans un trou. Regardez. Vous voyez? Et le trou, il va pas au endroit. Voilà. Donc, il essaie vraiment de se faufiler n'importe où. Je vous ferai un petit suivi sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et puis, ben, je vous reprends peut-être dans la pièce d'élevage quand j'arrive tout à l'heure pour le mettre en rack. Allez, c'est parti. Bon, les amis, je viens de revenir. Nous voilà dans la pièce d'élevage avec le serpent. Je vous fais une vidéo rapide là en fin de vidéo parce que là, je suis grave à la bourre. C'est 8h40. Je vais me faire défoncer. Je vous montre vite fait ça. Comment j'ai fait la dernière fois? J'ai calé là. Allez, je vous cale la GoPro.
je sais plus comment j'ai fait. Je vais essayer de caler la GoPro comme je peux. Hop, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais vous montrer cette gutte. Alors, j'ai vu deux, trois petites marques. Je vais la traiter tout de suite. Je la mets dans une boîte. Hop là. Je vais la nettoyer. Alors, je ne vais pas vous montrer les soins, tout simplement. Alors, c'est un peu réchauffé là, depuis tout à l'heure dans le sac. Alors, je ne vais pas vous montrer les soins, tout simplement, parce que j'ai pas mal de choses à observer. Je vais la regarder proprement. Je vais la traiter interne, la traiter externe pour les parasites. Regardez si c'est un mâle ou une femelle. Femelle. Alors, on voit tout de suite. J'ai même pas besoin de la sexer ou de sonder ou quoi que ce soit. Regardez, ça se voit très très bien. Voilà. Donc c'est une femelle. Alors je vais la garder, je pense. Pour les formations. Alors elle est un peu maigre. Hein. On voit un petit peu le. Je sais pas si vous voyez avec la GoPro. On voit un petit peu qu'elle est assez fine. Par contre, elle a une jolie couleur. Pas très très grande. Là, je vais m'occuper des soins. Je vous ferai une petite vidéo suivie dans une quarantaine de jours. Voilà, je vous pose ça là maintenant. Et puis. Voilà, donc il y a quelques traces. Je sais pas ce que c'est. Une écaille abîmée. Elle n'a pas l'air d'avoir de. Elle a l'air propre dans l'ensemble. Elle est assez calme. Bon, là, elle est vraiment froide. Hein. Elle était au froid, je pense, si ça fait une semaine qu'elle est dehors. Mais voilà, hein, ma plaque fait 1 mètre. Donc, vous voyez, elle fait un petit mètre. Assez fine, par contre. Un peu maigre. Donc, voilà. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous fait plaisir, cette petite vidéo. Hop, je vous reprends. Je vous ferai un suivi, je suis content, c'est la première fois que je vais récupérer dans la nature un serpent moi-même. Il y a eu d'autres choses, mais c'était, voilà, globalement c'est de la couleur verte et jaune, donc bien entendu pas le droit d'y récupérer. Je vais m'occuper de celui-ci, enfin de celle-ci, et puis je vous ferai un petit suivi de vidéo par la suite. Je pense d'ici une trentaine, quarantaine de jours, pour voilà, il y aura eu les nourrissages, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Là, je vais passer donc tous les traitements internes et externes. Donc, j'en ai pour encore 20 minutes facile. Donc là, je vais poser la caméra. Je suis assez fatigué. J'aimerais bien me poser. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao!